Et si elles sont confirmées par la ministre du Travail, ces nouvelles mesures demanderont masques, gel, gants en grande quantité. Alors où se fournir? La Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France a sa petite idée. David Brussel, bonsoir, vous en êtes le directeur général. Bonsoir. Vous avez lancé une plateforme pour trouver un fournisseur près de chez soi. Très concrètement, comment ça marche? Absolument. Donc c'est une initiative partenariale, il faut le dire, du Conseil régional, de la Chambre de commerce et des services de l'État, pour essayer d'identifier des fournisseurs de masques, de pays, d'équipements de protection individuelle partout dans les Hauts-de-France. Et cette plateforme s'appelle www.data-covid.fr. Donc vous avez établi une liste mise à disposition ensuite. Alors on a fait un appel aux entreprises qui ont répondu présent très très vite. Au départ, c'était au plus fort de la crise quand on ne trouvait pas de masques. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 300 entreprises, 320 précisément, partout dans la région. On a une carte interactive sur ce site qui permet d'identifier tous les fournisseurs d'équipements de protection individuelle. Alors bien sûr, il y a des masques, il y a des gels, il y a des charlottes, il y a des blouses et d'autres types de protection. Tout un panel. Le circuit court, donc pour faire face à la crise, vous restez évidemment avec nous. On va voir un exemple à Avelin dans le Nord, Léo Marron et Sébastien Gurac. Du gel hydroalcoolique produit et vendu en circuit court. C'est le pari de cette entreprise basée à Avelin. Bonjour monsieur, entreprise GECO, c'est pour une livraison de gel hydroalcoolique. Oui. Dans ce carton, plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique qui serviront au personnel de la communauté de communes de Pévelpe-Carambeau. Une livraison en main propre, à moins de 5 km du lieu de production. L'opération a un coût, mais la collectivité souhaite favoriser les entreprises locales. Allez, au revoir. Oh, ça aurait été sans doute moins cher, effectivement, hein, de se fournir dans d'autres pays. Il n'y a pas que le prix, il y a la disponibilité du produit également, il y a la qualité du produit. Et il y a cette dynamique aussi de développement durable. Le gel hydroalcoolique est devenu un produit de première nécessité. Et pour se fournir, de plus en plus d'acteurs régionaux choisissent le circuit court. Parmi les autres clients de l'entreprise, l'université d'Amiens, celle de Lille, des collectivités locales ou des entreprises privées. Est-ce qu'on peut faire un point sur les commandes de gel? C'est un argument de vente. On est vraiment dans cette logique de circuit court sur les produits qu'on commercialise, où effectivement l'objectif, c'est de, bon, c'est pas d'aller vendre à des milliers de kilomètres d'ici, mais de faire en sorte que le produit reste sur place. Au mois de juillet, l'entreprise a vendu 2000 litres de gel hydroalcoolique, principalement dans les Hauts-de-France. Ce mois-ci, elle espère même doubler son chiffre d'affaires. Et voilà donc pour ce pari qui semble réussi à Avelin. David Brussel, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'entreprises engagées sur ce front qu'avant la crise? Oui, c'est indiscutable. La solidarité a joué à plein. Beaucoup d'entreprises ont réorienté une partie de leur activité pour de la production de masques ou de gel hydroalcoolique, on vient de le voir. Et aujourd'hui, on sent effectivement que la demande repart d'une certaine façon, puisque les normes en matière de respect, de distanciation sociale, évidemment, de port du masque s'intensifient. Donc effectivement, on peut dire que les entreprises des Hauts-de-France jouent la solidarité et que le circuit court fonctionne de plus en plus. Mais pourquoi encourager les entreprises à aller chercher près de chez elles? C'est quoi la philosophie? L'idée est très simple, c'est d'assurer la souveraineté économique de notre région. À un moment où, on l'a vu au cœur de la crise, on ne trouvait pas de masques. On était très dépendant de l'étranger, en particulier de la Chine. Et on a voulu effectivement travailler pour faire en sorte que ces filières locales se créent de façon à promouvoir l'emploi, promouvoir l'activité et permettre de poursuivre la reprise de l'activité dans notre région. Alors, c'est une opportunité conjoncturelle dans un contexte particulier. Est-ce que ça peut tenir sur le long terme? Oui, il est évident que les pratiques dans l'entreprise vont évoluer. On le voit, on le sent, on le pressent. Bien évidemment, tout ça va s'ajuster. Il y a eu beaucoup d'offres, beaucoup de demandes au départ. Tout ça va se trouver son équilibre. Et c'est la raison pour laquelle on a mis également en place un système d'homologation de ces masques par la Direction générale de l'armement. Tous les masques qui sont référencés sont homologués et donc permettent d'être mis sur le marché en toute sécurité. Alors, dans le même temps, des entreprises textiles du Nord disent rester avec leur stock sur les bras. C'est un paradoxe total. Oui, parce qu'il y a eu un engouement au départ, effectivement. Lorsqu'on n'en trouvait pas, il y a eu ce phénomène de rattrapage. Aujourd'hui, le marché est en train de se stabiliser. Mais il est à peu près évident que ce sera un marché relativement pérenne. Quelques exemples, Résilience à Roubaix qui a permis de créer 200 emplois quasi immédiatement sur cette question des masques. Et puis plein d'autres histoires un peu partout en région, depuis l'Oise en passant par la Somme et bien sûr sur le Nord-Pas-de-Calais. Et pour revenir à la plateforme, nous, particuliers, on peut y aller?
Absolument. Alors, vous avez bien sûr des entreprises qui s'adressent à des entreprises, on est en B2B, mais vous avez également des entreprises qui s'adressent à des particuliers et elles sont également référencées. Eh bien, merci David Bruxelles, directeur général de la CCI Hauts-de-France. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, sur le plateau du 19-20.